Eh bien, toujours en ce 1er août, bienvenue sur Terre éternelle. Bon, j'ai ramassé 2-3 mégots, j'ai un fond de tabac. Bon, ça fait un peu edge. Pour le 7e volet, je crois que je vais être un petit peu plus méchant. J'en ai marre que vous soyez tous trisomiques, là, sous l'exomile et sous le cacheton. D'accord? Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Sur ma lettre associée, voilà, sur la Mecque. Tu vois là, ce soir, j'avais fait une ratatouille. Il y a des légumes, trois aubergines, deux oignons, des tomates, des carottes, trois conneries. Et en fait, cette tranche de pain de mie là, la date c'était le 1er avril 17. Et bien, il n'était pas moisi et il était encore très bon, comme ça. Et l'autre pain de mie, bon, c'était du 17, c'est pas très vieux, on est que le 1er 8, tu vois. On va voir. Alors, c'était pour dire quoi? Monsieur Ciotti. Qu'on a rendez-vous, mais ce sera pas avec toi. Mais je t'ai vu à l'église des bons vœux. De toute façon, je t'ai vu partout, à l'inauguration au port aussi. Bon, les Grecs, là, aux Russes, machin, et tout ça, ils faisaient tout en Camon. Toi. Mais nous, on va le faire tout en camion. Si vous n'étiez pas des fils de pute de colobos, de système d'État, de fils de pute corrompus, tu vois, on pourrait nourrir la planète entière. Vous êtes vraiment des bâtards et tous des collabos. Vous êtes vraiment des enculés en fait. Mais vous n'avez pas honte d'être français comme ça? Ça me fait chier de ramasser des mégots par terre. Pourtant, je suis français de souche. J'ai eu 48. Le 1er avril, Jacques, il a eu 50. Le meilleur chanteur qu'ils ont calmé sous cacheton piqûre, parce qu'il était un petit peu violent, un petit peu expressif, un petit peu. C'est Jacques, c'est du Jacques. Alors là, comment on va faire? La révolte gronde. Il faut qu'elle soit planétaire, faut qu'elle soit, tu vois. Moi, je suis zen, il faut que ce soit tranquille, tu vois. J'ai même épargné le TGV. Oh, mon bon Dieu, il est peinard. C'est un bon Dieu. Par contre, vous. Vous êtes des collabos du diable, des suppôts, quoi, on va dire. On dit rien, bon, tant qu'on a notre chiotte, notre petit frigo, tant qu'on gagne notre thune. Mais dans l'esprit, l'argent n'existe pas. Hein? Montre-moi une fiche de paye de fourmis. Je me répète, je sais. Mais montre-la moi. Ou d'abeilles, et vous les tuez avec vos insecticides de merde et vos saloperies d'OGM. Hein? Génétiquement modifié. Mon cul. Hein. Ah, j'ai pas dit la marque du pain. Ben, je crois que c'était du Carrefour. On est le 1er août, le truc, il tient 4 mois après la date. Il est nickel. Parce que le Harry, là, Big McDonald's, là. Une semaine après, il est moisi. Même des fois une semaine avant. Tellement que c'est de la merde. C'est pour ça que je veux pas être gentil non plus. Vous arrêtez pas de nous vendre de la merde. On n'a rien à foutre de vos saloperies pourries d'industriels de mes deux. Là. Je crois que je vais pas être content sur ce coup-là. Déjà, c'est cher. Et en plus, pour bouffer de la merde. Tu vois le truc? Prends-moi pour un con, prenez-moi pour un con, pouvoir de merde, fils de pute en costard cravate. Les abyssales, ouais, ne pas confondre le costard cravate avec le clochard, tu vois. Le clochard, il vaut 10 fois plus que toi. Et plus t'es riche, plus je t'emmerde, et plus je te pète la gueule.
L'argent, les trucs qui brillent, les machins, n'ont aucun pouvoir sur moi. L'or, je t'emmerde, le truc, je t'emmerde, tout. Par contre, j'aimerais bien avoir de quoi payer mon tabac quand même. Moi, je veux travailler pour le devenir de l'ensemble. Je peux faire 20 heures par jour, tu vois. Mais travailler pour des fils de pute d'État corrompu, ça, je peux pas. Je peux plus. Même quand j'ai mal, je le supporte. Bon, faut dire aussi que je prends pas de cacheton. Parce que c'est ça l'industrie pharmaceutique. Plus tu prends de cacheton, plus tu seras malade. Tu auras toujours quelque chose quelque part. Parce qu'en fait, c'est de l'industrie chimique, c'est de la merde. Les anciens, ils savaient soigner par les plantes. Pourquoi que je fume? Ben, c'est en l'honneur des Indiens, si tu veux. Tu vois? Eux, ils étaient peinards, ils fumaient le calumet de la paix. Les autres sont arrivés avec des fusils, ils ont buté tout le monde, ils ont fait les États-Unis. Oh bah ma foi. Et le Donald là, putain, faut lui péter la gueule à celui-là. C'est comme le Macron. C'est de la merde. Mais c'est vraiment de la merde. Les gens du pouvoir, c'est vraiment de la merde. Faut le savoir. Les bonnes partouzes à Saint-Tropez, dans les yachts avec les gamines de 18 ans sous coque. Oh, c'est rigolo, hein. La fille, elle a 15 ans, tu exploses le trou du cul d'enculé de tarasse de merde de tête de nœud de mes couilles. Parce que tu connais pas la jouissance cérébrale, toi. Tu connais pas l'osmose moléculaire. Tu as un cerveau reptilien, ça s'appelle. Ils ont bien expliqué. Parce que pour être alcoolologue, fallait être alcoolique. J'ai eu 48 ans de métier, là, quand même, s'il te plaît. Bon, j'ai commencé vers 12-13 ans, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est le volet 7. Les gens du pouvoir, je vous emmerde. Qu'on me dise celui-là qui n'est pas corrompu.